moi, je connaissais le temps. Vous êtes parti de tapis rouge. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu m'as dormi. Ah, je suis pas bien fait. Thank you.
China bena yuda Yesu kufika kwimana munga chimwabo ubambila ne mushu anyinwambila haleluya anyinwambila Pole mwikale nenu wambananku kubaleza yebyanza biende nelu ubaji nkebalongi kusankabo bapavobo bamona mfumu Yesu kubamba chakabijine mbushu wanyinwambila Alleluia, ninuambila. Ushuwa, ninuambila. Alleluia, ninuambila. Mbupole, mwikale nenu. Mbumujita tumuntume. Meme panyi, njimunu tume. Wamba nanku. Kubela ye mupu ya pamitu ya bone, yangata yi spiritu monsanto, mbano ajimi jila mibi ya bo ayine yi jimine, mbano abenga ku jimi jila, ya bo kayena yi jimine. Mushu wa nyinu ambila,
Alléluia, dis-nous ambila. Bouchoua, dis-nous ambila. Alléluia, dis-nous ambila. Somba ibon subana betu bwakuteleja dilongesha jaji tukweji. Banabetu bashuibwe batu batu bambane tuyelumwe bucha lukasa. Lelu muchibilu cha pentecostese musoko wa chilomba udine di sanka di tamba dia qua di qua chi di là malu manene abidi adi mente che mungila wenu wa buena na Cristo diassa di antengi mupia mupia ne di tambula dia mukubi wadio wa kumpala Tatu Sebastien Kenda Tunda. Ndi mulwe bwa kusanka pamwe nenu ne kunufikishila mioyo ne dibenesha diakudi tatu wa busanto Papa François. Diasa diantenji mupia mupia Bualu bua diksanka kudi benan Kristo buonso badi base mucilomba kadi muamanya kabidini kabidine muanda eu bujitu bunene buteka pa makanya enu Pa qua santengi, mupia mupia, ecclesia musuene, benan Cristo, bena in Cristo ba cilomba, ba legge patoche, mudibu bacola, muditaba, ba leggia ditaba, diabo edi, mumalu nengezelu, iaboionso. Walu qua santegi ne cutuambluisce, cutuambluisce, cucini picalan sombelu wabenan Cristo, cai un vangana ne kipacila cai in sacramento idivo bapeta,
ndi nulomba se ditaba dienu di mweneke patoke kumesu abantu bonso muntenji eu mupia mupia. Kulama njila buon sacramento qui kala ne sombelu udi mwa mwakanyine sacramento ke mudimu wa kumpala mene mene kadi kudi kabidi bukwabu bualu katwena mwa kupwa moyo mwa kwabulumbuisha eklesia wa chilomba mu midimu yende mi kwabu ya dinanga dilelela ya kwambuluisha bantu wabatante bwonso baye kumpala di mumanye ne mujadikese nudise makandi a kwambuluisha eklesia wenu mu malu a onso ba wa kukumbaja e bibionso nudine bwa kulama malu manene abidi bobumwe muntenji wenu mujima bobumwe ne mwepiskopo wenu ke bwalu kai kuntwa dijilu wa miaku nyanyi e ndi wambene tuyelumwe bucha lukasa. Nancha mikanda min santo itudi bateleja idi ituambila mwanda wa momumwe lelu muchibilu chinene chia pentecostese ne chia diassa ntenji wa chilomba kunde kelu kwa matukua pasaka mfumu uti utuma balongimende buabikale bajadiki ba dibika diende tone kuntengu ya buloba kadi bua kukumbaja mudimu biakane Bavwa bapete, bukole bwa pudi mvidi mukulu. Bukole buvwabu bapete ke spiritu musanto, unudi bapete penu lelu. Mwa vuluka se, eklesia nsangilu, Wabana bamvidi mukulu bwa kutungunuka ne kumaniisha bantu mukenji mulenga wa dibiika dia Kristo eklesia udin pokolo wa mapa bwa lupandu lwa muntu yonso pentecostese di festo dia di pueca Dia Spiritum Santo, Baba Apostolo, Nebucole Buende Bonso, Bua Kutangalaija, Bukenji Mulenga, Ne Kumuija, Balongi Bende, Malu Onsu, Awaye Mubalongeshe, Avuabo, Kabai Bumbwa, Mene Mene, Kumpala, Kualufu Ne Dibika Diende. Ditiku adio diine spiritu wakasanga bantu babisamba bishilangane ne miakulu
Michilangane mu diku dimwe. Walu bantu ba fumine kumisoko Michilangane bavwa bumbwa bapostolo mu miakulu yabo. Muntu nenu muntu mu mwakulu wende. Ke chishima chia bomumwe munkachi mwa eklesia kuchikondo ne chikondo. Kumwamba kumwaba ne mwaba mu buloba bujima. Kumpala bapostolo babwa bacina bena Giuda, basomba, badicangile, munzubu, bacina lufu, che cupetabo, bucole boa spiritu, munsanto, di chima ne macanda, boa cumaniscia, mukenji mulenga, cudibantu bonzo, to ne kuntegu yabuloba. Spiritu funzululaye lungeni luabo wa kumwabiakane miaku ya mfumu ne kuimanisha kudibonzo. Pentecostese dile dibua dia ecclesia. Walu ebu chimaninu chinene chia kwaninya lelu ne kwela mulopo twasad kidila. Walu muva eklesia muledibwene mut wadije dia pentecostese ke mudintenji wa chilomba ule dibwa pendelelu. Bu muvwa eklesia mule dibwa mubu kwa bisamba ne miakulu Michilangane ke mudi kabidi tenji wa chilomba wikale nsangilu wa bu kwa bisamba ne miakulu. Kadibonso basangisha kudi Kristo mumoyo umwe nelungenyi lumwe. Nanku banabetu chidi chitu sangisha mutenji wa chilomba chia sangana ditaba dia Yesu kwenja ani. Muntu yonso udi muitabe Kristu. Nancha wena mwakulu kai, nancha chisamba kai, nuwa kirikile bu mwanenu muditaba dia eklesia munkaji mwantenji eu mupia mupia. Nuamania buabukwa ne buena kabunyangi ditaba dienu. Bwalu, matapuluka adi afuma kumenji abudibi, amubidi wabantu kadi bomumwe nedinanga bidi bifumina kudi spiritu munsantu. Bana betu bashibwe pol munsantu kudi wambila bena romane. Bonso badi musambi uludika mbana bambidi mukulu. Yeye musambi udi utusaka buakwela bila kudi abba. Momumwene tatu. Buena kwambane tue tubena Kristu tudine tatu mwe. Pananku tuetu bonso tu di bena muntu. Bua tuetu kuya kumpala ne kushindama mumbuamwana buamvidi mukulu anu tuetu basombe mu bobumbwe
ne bouwe tu bwa ben en Cristo. Pa kutuma balongi, bende mu budimi buende. Fumu Yesu, budi ubalaya, musambi mu kwabo, spiritu musambi, bwa kuba vulwija, bionso, bivwaye, mu bambile. Che vuole cai tutte le leggi mi sangue ionso ci di spirito u tua ambila ci di spirito u tua ambila culama mi acu iam vidi muculu ne cui cuimbaja cui cumbaja mun sombelu mujima mo mumuene chi quala qui cala basadidi Baba kwetu ne basadidi babo bumwe. Di mushu e kwela tatu, mukubi felisemu anama, tua sakidila wa maanza tenta. Mushu wa ntenji wa Luisa ukavwa mutante mukole. Kalumbandi tatu felisemu wa muvudi, Muko keche vwa kuludika ntenji. Ewu ne lelu. Mukachi vantatu ne makenga itudi bonso bamanie. Kalumbandi walu udimu aniche ne mukube mwanda wa diko solo la ntenji. Ewu tone ku dilela. Di antenji mupia mupia wachilomba. Walu ebu, walu bunene bwa disanka ne kankundulwilu. Tuetu bonso tudi bamanye ne kukavwa bidimu bipite makumi atanu. Kabai bassa, tenji mupia mupia, muditunga di akongoto. Mwatenu felicien, di inquela tua sakidilla, kulomba kabidise, kuleke ditatu Sebastien to. Nutuangane chianza kuchianza. Wambul wi shangane, wamudimu wa ecclesia utante, wuye kumpala. Chiena mwakupwa moyo bakubi bonso, babu abense, mudimu kumpala, nebadi balongolole, mwanda eu wadisanka, Udi mutu sanguisce appa. Din tela tatu Bernard Mels, ukadi mupingane qua maweja, tatu gotrua muken kalond, ici avec nous aujourd'hui. Ne tatu Leonard Cassanda Lumembu, aussi présente avec nous. Kalumbandi kenu bonso tua sakidilai. Webe webe tatu Sebastien. Uvuluke di iba dionso midimu minene. Isa tu ya bakubi bakulu. Kulongesha kufikisha kubunsantu ne kuludika. Gesha mwaku wa mvidi, mukulu padiba ne padi kapai padiba. Mwaku wa mvidi mukulu wikale webe, mwendu ne butoke munjila yebe. Kwenyi mwalu kui mwebeje, kumpala mfumu mwaku wendeto. Nanku ne wikale mulami mulenga, udi ulama mikolo ya mfumu, yidie wukupesha lelu ewu.
wa kukuba mikoko biakane wikale muntu wa chijila nensombelu wa busantu di ukebe wa kudifikisha wewe wine ne mikoko yebe kubusantu Sombelu webe wa dicina dian vidi, mukulu ke vudi usaka mikoko, yebe yonso wa kui pacila, mun santu mun sombelu wabo. Wikale muludiki, wachi sacia bena maweja, mulami mulenga, wa mikoko yan vidi mukulu. Muludiki muimpe, Udi uteleja, bantu bende, ukunguja, babine bimpe, wa kuba leja, njila walupandu. Wa kukumbaja, mudimu ewu, wa buludiki anu wewe mudishwike, mubombumbwe, ne Basander dose bebe neaba bonso badi bakwata mudimu muntenji mujima. Quindi kansunga sunga ne kupu mansonge moyo. Bobo kebalwa kurupingana mumatuku a chihuahua. Wanetu Sebastien di Nkunsengelela wikale mukebi wa dinangane bobumwe mutenji mujima. Nuenu ban sacerdose bachilomba nukadi mu chitupa chia kulaya butumike Kudim episcopo wenu mupia. Enzai ne moyo wenu mujima, kanui ne didinga mu mioyo mwenu. Ambulwishai, tatu Sebastien, wa kuibakam tenji wenu eu. Muntu ne muntu, Akebe muende mua kufila diende, dibua kudibaka di antenci eu, bilondecile dipa di ambidi mukulu. Ikalai, mu bobumue munkachi muenu, ne dium wangana, ne mu episcopo wenu, bua nuikale cile gelu, kumesu abenan Cristo. Bena cisa cia, ma vueja bonzo, banudi nusadila. Nanga, nuenu badiambike, baba lume ne bakaji, nuavu luca ne, cilegelu cienu mu di sambila, quambu luisha ne cusadila, bantu nenu, ne bupuekele, Nulonda angila mulenga wa Yesu, mu butumike. Bupele ne buscasto, che ci maniniu, ci mene, ci a bumfumu, wa mvidi mukulu, munkachi mwa bantu, wa lupandu, lua muntu yonzi. Nuenu benan Cristo bacilomba, di nulomba wa se, Di sanca di alelu, di sciale, di amatu cuonzo, di cale di acacidi. Lei ai di taba vienu patocche, ambulai bugitu wa ecclesia bacilomba, wacilomba, pamuene mucubi muculu, di mugia di che ne cacuena gualubudi. Mua kunupita makanda nancha. Tuvulukai bonso chimaninu
chikwabu echi. Pabu a Spiritu Mun Santu Mutulukile Maria. Diba dia bukenji bua muangelu Gabriele. Mfumu Yesu wakangata mubiri munda mbwene. Dia Pentecostese, dia dile dibua dia Ecclesia, udi kabidi bu mudibi mun santo a Cristo. Maria bua munkachi buaba posto. Ke mudi Maria mua Yesu amun anku munkachi muetu lelu vuto ambuluisha bua quaki dila Ecclesia mubulelela budipa dia Spiritu Mun Santo muntengi eu muppia muppia Spiritu Mun Sambi yeyem vine anupa bucole ne macanda a cumanisha nauo mukenji mulenga mu misoko ne mumbanza yonso bicale anu mu lungeni luase tuya lumue bucha lucasa Spiritu wanfumu ato keshe lungeni luenu anu vundigile pa mappa ne malengele akudi muena kulu anupe bukitu mu mudimu eu mun santo mamu Maria mamu wabunonoke Udi mule tente nebulengele, mamu walungeni, anu aquile kudi muanende Yesu ne anu quacisce mu budimi buppia buppia bua kutankisha mutengi mute mukeni mulenga wanfumu Yesu Cristo. Amen. Bena chisa chiamaweja anishai. Olai bonso bueno. J'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité les dépôts de la foi selon la tradition reçue des apôtres? Toujours et partout tenu dans l'Église? Oui, je le veux. Et la construction du corps de Christ, qui est l'Église, et des unités. Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec le prêtre, le diacre, les collaborateurs de votre ministère, prendre le Père du Saint-Peuple et le diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans les besoins? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche de brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour Sébastien Kenda Tumba, qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel, le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté
et pour le bien de l'Église qui lui donne l'abondance de sa grâce. Tu manai bon sokulu toujours kai bakubila ban santu ban vidi mukulu boase bavo kutwambulisha bonso tetu bonso tutumai meji kudisambila tutumai meji kujividi mukulu boase vidi mukulu atwambulisha mujibeji. Bajini mushindu akutwabino ni batwabino. Gabriel Musanto
Oh,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans le Père du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle. Bana betu basuibu etu etu bamana, kujikija jibila jaban santu betu, pinje utu jitubikila tatu sebasien kendantumba, bwa asemena kujimu episkopo, ujumutambwisha, atwe binu kumpala kwende, bwajimu tenteka jabianza. Bepiskopo betu bakwa bubonso, nebenza mushindu wa momo mwe. Tula malutulu bana betu.
Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux, garde les plus humbles, toi qui connais toutes choses, avant même qu'elles soient tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Toi, institué des chefs et des prêtres, et toujours pour vous au service de ton sanctuaire. Car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répande sur celui que toi as choisi la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, l'esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de son nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce le pouvoir de remettre le péché ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse le ministère comme tu l'as disposé toi-même. Et qu'il délie de toute lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Bana betu basuibwe muchikondo echinji beji tatu Sebastian Kendantumba washaji mwepiskopu wetu wa Chilomba jisambila jinene ja jitenteka ja byanza jijijenza bwaselelwe u twetu bena Chilomba Chilomba chetu cha kupeta mwepiskopo netu shala munentema bwa kulonda bulongolo jibudibwika labushala jimulaba jamanyi Jimuta jamukanda wa evangelio bintu bidibika le bishal tulonda ibionsebi ne lutulu Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende féconde votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Remise de l'Évangile. Les consécrateurs aimaient à l'ordina le livre des Évangiles. Ainsi, Son Excellence Monseigneur Sébastien Kenda sait désormais que sa mitre, c'est l'Évangile du Christ. Lui qui est appelé à la tête de l'Église de Chilomba sait qu'il faut être soumis au pouvoir de la bonne nouvelle. Suivons. Attentivement. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et les soucis d'instruire.
Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tous les troupeaux du Seigneur dans lesquels l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Bana betu basuibwe, tuleja iji sankajetu mchikondwe chinijibeji, buakumanya se tukaji bulelela bulelela. Nemo episcopo wetu mu diocese ya Chilomba diocese pia dipia neba kijila mu episcopo wetu kuji bepiso boku abubonso bwa kulejane wabweji mu chichengu cha bepiscopo boku abunenda Bana betu basuibwe,
tupua ibana betu bwakulonda bulongolo jibwanda kelu bali bapesha mu episcopo wetu nkwasa bamupesha mwaba bwakuleja se mu episcopo achilomba bamuteka pawenda mwaba tulonda ibana betu. Bana betu baswibwa yeya mumana kusomba na kumunkwasa tujitubikila ba sacerdoce bonso ba diocese ya Chilomba tubikila ba diacre ba Chilomba tubikila ba supérieur majeur des religieux et religieuses tubikila ba représentant baba fidèle laïque ba diocese ya Chilomba. Muntu muluma umwe ne muntu mukajumwa tubikila kabiji songa umwe ne songa mukaji muluma umwe songa mukaji umo bana betu twetu bonso tuvwai basaser doso bwakulaya jilaya jetu jabutumike. Yeah.
Yeah.
Thank you.
Tumako tato spiritu monsanto uvomwanebe mulaye avokutuje alengeje myoye to tupete lumvuluje alame bwabune me bwamulambo ewotuje tukufa unzulule nelungenye lweto tufike kujimanya bulelele bonso bujima anubwalu bwamfumu wetu Yesu Kristo. Yeah, we need more in a bon for more. Mon kama, nin kama ya bidimo. Mfomo ye kalene no. I am for more, the demo called for more. Bidibiaka, Bidibilanga, Bwago Samuna, Nikuan Shadi, Bajonson, Yabayon, sir. Where went for more? Tatum Santo, the demo called the one with the Yonson, Yuaka, Shiji. Bwaguku mbajia chishima, chapasa kachishima, ujimupweke shelelu, spiritu monsanto, kwa mitu ya aba, bovwa, mwenze, bana bebe, kwa kubasangisha ni mwanebe Yesu Kristo. Spiritu webewo, ujimupeshe, bana bebe, bonso, kuntu ajijiluwae kelezia, jimanya, jamvijimuku lumulelela, wa bonso batonde mumyakulu mishilangane jitaba jamomu mwe ke bwalukaye chisa chabena Kristo chule tente ne jisanga japasaka chijichi to changa mubulo babujima pamwe ne banjelo ba mujolo bajibimba musambo walo mulwebe tujitwamba anukwamba se Thank you.
juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, ce Père de notre foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, et c'est l'Esprit dans le Christ. Esprit Saint, fasse de nous une offrande éternelle offrande pour que nous obtenions les biens du monde à venir auprès avec tous les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, nos bienheureux Isidore Bakanja et Clémentine Anouarite,
et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et pour nous assurer de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre frère Sébastien Kendantumba, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les premiers évangélisateurs de cette contrée et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon le commandement qu'il nous a laissé, comme frères et sœurs et fils d'un même Père, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Suis-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Thank you.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Betu basuibwe, toi kufikampinje uchikondu, chaku semena kumesa mfumu. Tuji tulomba yonsu jikai mwena eklesia wetu bwase asomba kavwa kumpale kuba kwanta mubijwa mfumu yonsu jumuji joja mumanya se chena mwaka nabwa kusemena kujimfumu asomba tusanka ibonso pamotwa sakijilai. Sulu jijine jata mawe grandiose et nous avons l'agréable désir de vous présenter nos hôtes.
Nous avons en premier lieu l'agréable désir de vous présenter la présidence de la République qui est représentée ici par le conseiller spécial en la personne de M. Théo Chilumba Wakabeya. Et l'urgence s'invite, il serait souhaitable s'il peut s'exprimer. Merci. Wakuneme ki Bobitamba Tatu Sébastien Mukubi Mufia Mufia Wantenji Mufia Mufia Wachilomba Batatu Bamamu Babitenda Betobwe Betu Kabidi Eyowa njimufika mwabeu mutuma kudimukalenga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mfumu wadi tunga jetu dia Congo mfumu ngambilane Mumukanda wenda uji mufundile guverneur wa Lomami. Udi wamba ninda aku kuchilomba mubwalubune na bujubwenzeka. Uya kuleja mpalawanyi. Ni mukanda uji wamba ni uji representant personnel wanyi mema. Bionsu bi wamba mbinji muteka faludi milweba. Mfumu wadi tunga afa kumwana bwalubune na bujubwenzeka. Mu province wa Lomami. Uduwamba ni bana banyi. Baku Lomami. Kabaku kumba nanka ya buto. Kibwaluka ibikengela. Mbele shajiboko. Chena muenda nanka yanyi. Njimwenda ni bantu basambombo bafidi bangenyi ba mfumu badiba bikila ba conseiller babidi mukalenga edi lukuna ujulwa ni mamu lusamba goreti Ne baturi tukwatana bo mijimu mubibamba lubietu. Mfumu wadi tunga chakumpala. Ujuwela mukubi wantenji mufia mufia kalumba njini jiboku mulu. Bwamushindu ditatu wabunsantu mumwele la menji. Mumupesha mujimwe umunena. Uju mtu anyama kumikolo. Uju mkolesha kumaboko. Uju wambabu ase umuambila. Mema njikoku. Fika la ibualu njimu manjinekelezi ya katolika mujimu wenda. Ngwakuku ata mujimu. Hamwanimbula matadi. Kuambulu isha bantu. Mubionsu bikala ine chabwa kwenza manya bwase mbula matadi ujinenda kena umulekela to. Kipa bwa iwa amba bwase balombo di ba province. Bamanya bwalo abu bwane ni bikala ni chabwa kukwata mujimu. Nekelezi ye mufia mufia wachilomba. Kwa mbuluisha ntenji mufia mufia. Mumishindu mishila shilangana.
bwakuleje chileje lwechi kipa di mungambile bwani nda kukwene wiya byanza bitupu ndaku bwakuleje bwasenji musoku banjija mukubi mumpesha jibuki dingikala ne chabwa kumukutulwila mumpesha bintu bunyi buyamba nikatuku bingikala ne chabwa kufumufu mwina bikwa bubya shadila bena province badibante leja mwabeu niba mwana mwakutungunuka ni mujumu wakuya kumpala wantungunukilu bwakwambulisha ntenje mufyambwe fe bwana mwana mwakuya kumpala tatu mulombodi waditunga budungambila kabidi bwase wela mukubi wa Luiza twasa kidila ni kalumbanji kabi ya muye yanka yenda kajini bwa bafo bamuji anjijila mungu asawabu kubiwa Luiza kabidi ni bakubi bonso basanga nteta ba mukasayi bwalu bwobu kibadi benza bwase lelu wandaya ntenji wa chilomba asanga na kufatukanye tubela iluka shine kankundu lwila yeye mumana kwela bakubibetwa ba jiboku mulu udungambila bwase wela kabidi benajita baba amunte njewu toni bana banyi bonso ba mu province njimumanye bwase kundekelu wachi mchishala ni ntwadizilu wachi mwechi hamvo mwenzo lwendu lwanyi mukasai mvo mujinga mwakufika kumwene jitu kadichene mufika to bilonda shela bunyu bwamalu anje nawo nanku ungele la benedita babonso moyo ubambila bwase bakwatangana mu maboko bikala chintu chimwa njimumanye bivo bubenza muchidi mucha binunu bibidi nijikumi ni mwanda mukulu bwafa kunsungula kumpesha mujimundi na umune na mpinjewo kumilombu yabu ni kumalu wonsu adibubika lebenza kibwalu kai bianyi binji ngeza bionsu bidiani biya kumpala lelu wandaya buloba bujima budibu kaka labu ambani kachaka tuena banji kumwana mujitu ngemu na ashamu Afrika buabantu bakwata mujimu bafatula mpetu bunji bujibuba yifatulebu kayi kwambangana nayi mubwela mubukalenga musangana kuji mpetu idibuba lama mikalano ntoto nkama mwanda mukulu chanana wisa milio mudiba bikile lelu wandayi utru toku lewu miliyara ni miliyara kubenga kwanyisha nkajiu ela yifumu waditunga luka shilukola ni kankundu lwila malu ajiweza aja kemesha bantu bamba ni butetu bika nene ukonsweku mumu ni jitunga edidi ya kumpala matu kwa bijanjili ujumbuka kuchi insasa ujufika mkananga malandi wanshenga kananga ni mbujima ibadibala makaja jila wa mwena jitu ujufika na mwenda nikala bionswebi ujubi enza kumasambila enu anu jinumulo mbele kudiepo wanzambi vibutu kuni mwanda monya kibualu kai ujutu unu kamu ni jinwe la tuasa kijila wa manza tenta mfumu waditunga ujubu lomba kunu jibons jinanga chintu chimwa buwetu jumfuangana kusomba watatu wa mamu
Bwalute tubonsu twasangana bena kongu kwenzanye twins tukwatangana jikwatangane edi kija bwena ja tulombibu kujumwena mpala watatu wa bonsanto bwakumbusha bintu byonso byajikosololangana tujumva ne tujumunumwa munumwa kabena mwakufandulula tudibana ba muntu mwepela mfumu waditunga nodibateleja kubisanji mubiji wenza matukwa bidya ujuwa kidila munena urwa wa benebelje udu fika muditunga jetu ni bena bukalenga bwenda mungondu wa mwanda muteketa kujilomba ni jibikila ya mfumu wa ditunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tatu wa bon santo Papa François ujuja atambaka senda muditunga ijetu emu tuela ikabidi mfumu ka lumbanji Lukashi beto abwe na kubwa kujikisha njin kutulula jibukijanyi bumuji mwabeu malu menza kamanena abidi bwalu bwa kumpala sintenji mufya mufya wachilomba mumwanyi kimom bwalu bwibidi Si mungu bi mufyambi fotu dupepeta momu wanyiki momu. Kibualu kaa ipanji mulu hapa. Njimutu ajilante njeu. Mashinya kajendalande la bidi. Beto abwe. Njimvuluka ngondo mushala mvoko kukolwezi Hajimisa ijika tetu tutakene ni Monseigneur Sébastien Uju ngambaji Mema ni ah Chinga iza chinga nyibwani Chilomba afita kolwezi Bo ani ngambana ngu Monseigneur Richard Mwabe ukalo Me chilomba mufita mumuja mufita ibibe bya kolwezi Nakubwa kuleje bwani mufita bivwa Monseigneur Richard Mufeta turibasa kijila fofu ni moto mune na wa DT 125 Beto abwe Hadi muntu chibangisha Ni muntu mubwela mudibaka bwa kubanisha sibadiba mubanisha ni bintu byonse. Bikengela mufanji, bikengela lwesu, bikengela chinu, bikengela. Na kubumuji munte nje ujufeta mufeta malu abunye. Na bangishile fenyi. Mproje ka yunga to ajisha nenda. Kibwalu ka yimfumu wangambi dibwani. Kajafu chena ngamba bunyi to bwalu bakwa bani baloku mina mata. So, chivepe la chaka, mpa la chaka, mpoteza champinja njinsu, kila panye, muki la kumuchi. Njimufika mwabewu ni jibuki, njivu mfuka. Njimufesha chibu amidimu ya ntenji di utuadija. Chena ngimanyi na afuto. Mukalenga wangambi di buwane, kumpa la kwa we kufingana. Fajanu mula mbuwa misa ujika. Bakuleje. Ano muchilomba mu di centre de santé agne mu di maternité agne na bikala momo abibio bibibi kwa ta photo wolo kundeza kalimema mona chamema kwenza beto abo na kubwa kushikisha mukalenga
Bwamema kuzikiza Tatu Mukubi Wantenji Tatu Sebastian Tudutukwela Kalumbanji Nijibu kumuolu Mulofu weba Akuku achisha Ikala muneba Mujimu weba Muntenje musonga nkela Uyakumpala Pa wikala ni malu mama na kufunda. Nkavu mufuana kufomoi. Bwalu fumu aditunga. Kabala matuku kenda kakavu kakumbana. Bwakumwana mwakuku wakijila. Ne tatu mukubi waluiza. Wami nifikala bintu bionsu bidinabi anshe bibijika. Nikala mwakwenze nenu muyuki. Wabwene unufu bamulo mbao kuchinsansa. Nangu nitushala anu bala matangana wakumanye wasebidi mwakukumbana jibakai. Wananu ikala mwakufika kuchinsansa wanyamona mwakunu akijila numumvu isha majinga makwabu. Jino ela tuasa kijila mvula. Nuele nenu bonsu tuasa kijila. Badibala kutuwa mkubi mupia mupia nyama kumikolo. Mkarenga wabukolo bonsu anubene isha tuasa kijila hai. Bafana kwamba ninji nji mwako le biachana kuje nkabumpingana ni safi ya mashinye wal mashinye avwenda londa panyima hanga patukumwabembwa kumanyene bakavu munivoka ibachivokula nganje kwao filansa safi mwabeu karibu abi kwa bubintu chaku filene no batangile twana nenu bamba ni basuyu nusuika bilamba hamesa. Ça est en train de venir. Je vais attendre un peu, même le soir. D'accord. C'est bien. Merci. Mais D'accord. Merci. Quand on est là, on est Toi, ça qui dit là, tu es bon, va-t-on conduire le ton, va-t-on ne bicachi? Bakoué là, on fume, toi, dit ton, toi, ça qui dit là. Tout le tout, on nous cas, nous conduisons déjà à Ben Betu. Nous vous présentons en deuxième lieu. Son Excellence. Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique en République démocratique du Congo, que nous prions de se mettre debout pour recevoir les salutations de l'Assemblée. Nous ne moyen pas la wapapa. Nous ne légime pas la wapapa. Nous disons à Djetu Djakong. Son Excellence, Monseigneur Félicien Monana. Évêque du diocèse de Lisa. Son Excellence Monseigneur Placide Lubamba, évêque du diocèse de Kasongo. Et Son Excellence Monseigneur Oscar Collet, évêque du diocèse de Mouéka. Son Excellence Monseigneur Emery Kibal, évêque du diocèse de Kolé. Son Excellence Monseigneur Richard Kazadi, évêque du diocèse de Kolozi.
Nous vous présentons l'archevêque émérite de Kananga, Son Excellence Monseigneur Godefroy Mukeng Akalonde. Nous vous présentons Monseigneur Félicien Tamboué, évêque du diocèse de Cabinda. Nous avons Monseigneur Léonard Kassanda Lumembo, évêque émérite du diocèse de Luisa. Notre Assemblée nationale est représentée ici par les deux chambres. Nous avons la délégation du Sénat. Il y a les sénateurs. Nous présentons les excuses de peur de nous tromper ou de négliger, d'oublier qui que ce soit, pour ne pas citer les noms. Nous avons l'Assemblée nationale qui est représentée ici. La délégation est conduite par l'honorable Martin Tcham Lungang. Nous avons la délégation de la primature. S'il vous plaît. Nous demandons à la délégation de l'Assemblée nationale d'amener le cadeau qu'ils ont préparé pour ce faire. Okay, donc l'Assemblée et le Sénat, s'il vous plaît. L'Assemblée et le Sénat. Oui. Qui représente? Président du Sénat et délégation à part. Merci. Merci. S'il vous plaît. Il ne faut pas intervenir comme ça, maman, parce que vous perturbez. Laissez les choses évoluer comme ça. Comprenez que vous venez préparer les choses, séance tenante, c'est délicat. Souffler si c'est nécessaire. Faire toujours mais souffler si c'est nécessaire.
parce que maintenant je vais passer à la diaspora. Nous avons les députés provinciaux qui représentent, si pas la province, mais les provinces, nos députés provinciaux, l'OMAMI, c'est ça. Je vais mettre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, restez à vos places. Restez à vos places, les cadeaux après. Restez à vos places, les cadeaux après. Normal, oui, oui. Restez à vos places, restez à vos places, s'il vous plaît. Voilà, voilà. S'il vous plaît, quand nous citons les délégations, prière de vous mettre simplement debout et l'Assemblée vous salue, s'il vous plaît. Au lieu de vous déplacer pour venir saluer Monseigneur l'évêque, vous aurez le temps. Donc on vous cite, vous mettez debout, l'Assemblée vous accueille, vous salue. Les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Kassai central. S'il y en a, ils se mettent debout et le peuple de Dieu de Chilomba les accueille, les salue. Les gouverneurs des provinces qui sont avec nous, la province de l'Omami, Kassai Oriental, Kassai Central et autres provinces, si vous nous avez honoré, veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît, pour que le peuple de Dieu vous salue. Allez-y. Nous avons la délégation de la diaspora. La diaspora, si vous êtes là, vous mettez debout, le peuple de Dieu vous salue. Nous avons Madame le maire de la ville de Mouledjitou en la personne de Fideli Kabinda Moutonj. Nous avons les autorités politico-militaires et policières. Nous avons les autorités académiques et recteurs de grands séminaires et propédeutiques. Nous avons aussi les recteurs des universités. Si vous êtes là, veuillez vous mettre debout. Le peuple de Dieu vous salue. Nous avons les différentes délégations qui sont venues de diocèses différents. Les délégations des différents diocèses. Nous avons le chef coutumier des chefferies et des... Venez vous mettre debout pour qu'on vous salue des chefferies et des secteurs. Nous avons les représentants de différentes confessions chrétiennes et autres religions. Nous avons les représentants des congrégations religieuses et instituts religieux. Toute l'Assemblée ici réunie, nous vous accueillons. Merci de vous réunir à notre joie en cette journée de Pentecôte. Bienvenue et bonne fête. Chers frères et sœurs, après Honorable Kalengayi Wanzembele, Honorable Cyril Ngoyi Soulou, Honorable Emmanuel Kenda,
Honorable Joseph Mbayi wa Mwadi. C'est Honorable Songo. Honorable Songo. Donc, Honorable Kalimu, le couple maire de la ville de Mweneditu. Kabe Dial a déjà présenté. Hein? Kabe Dial. Le président de l'Assemblée provinciale de Lomami. Il a été accompagné par le secrétaire général de la CEAC. C'est Monsieur l'abbé Jean-Pierre Badidike, s'il peut se lever. Mot de son Excellence Monseigneur Marcel Eutembi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO, à l'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Sébastien Kenda Ntumba, évêque de Chilomba. Excellence, Monsieur l'envoyé spécial de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, mes seigneurs, les archevêques et évêques, Excellence, Monseigneur Sébastien Kenda, Excellence, Messieurs, Mesdames, le gouverneur, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres nationaux et provinciaux, Messieurs les abbés, révérends pères, révérendes sœurs, révérends frères, distinguées autorités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs, cette assemblée de la Pentecôte, le peuple de Dieu réuni dans le nouveau diocèse de Chilomba vit un moment historique. En ce jour mémorable, il a plu au Seigneur de constituer évêque son Excellence Monseigneur Sébastien Kenda Ntumba et de lui confier, par la volonté de sa sainteté le pape François, la charge pastorale de l'Église particulière de Chilomba. Que Dieu en soit loué. Cher frère Monseigneur Sébastien, au nom de tous les évêques membres de la CENCO et en mon nom personnel, nous vous présentons nos vives et chaleureuses félicitations et vous adressons nos meilleurs vœux pour avoir été estimé digne de la plénitude du sacerdoce. Prêtre du diocèse de Luisa hier, vous étiez associé à sa mission d'évangélisation.
Aujourd'hui, l'Esprit Saint vous a établi comme un veilleur de tous les troupeaux de Dieu et comme un pasteur de l'Église et famille de Dieu qui est à Chilomba. Cette Église, dont vous avez reçu la charge, appartient à Dieu grâce au sacrifice suprême de son propre Fils. Évêque et Père de tous et tout en tous, instruisez, sanctifiez et servez le peuple qui vous est confié avec un amour sans pareil et un dévouement sans mesure. En ce jour béni, il est heureux de rappeler les mérites des pionniers qui ont préparé de loin et de près l'érection de cette nouvelle église particulière. Tout d'abord, le Saint-Siège, à qui nous adressons notre profonde gratitude. Ensuite, l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga, sous la présidence de Son Excellence Monseigneur Marcel Madila, archevêque de Kananga, et en particulier Son Excellence Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa. Il avait la charge, comme pasteur, de veiller sur cette portion du peuple de Dieu, constituée aujourd'hui en église particulière. Nous le félicitons vivement pour sa sollicitude pastorale et formulons pour lui nos voeux les meilleurs de bonheur et de bénédiction pour le diocèse de Luisa dans sa configuration actuelle. Je vous prie d'applaudir. Chers abbés, chers consacrés, la joie et l'enthousiasme que vous manifestez en ces jours de grâce traduisent l'accueil que vous réservez à Monseigneur Sébastien, ainsi que votre disponibilité à collaborer avec lui dans une communion de cœur et d'esprit pour la mission évangélisatrice. Dans un amour sincère et dans une obéissance filiale, collaborez étroitement avec votre évêque dans l'exercice de sa charge épiscopale. Et vous, chers frères et sœurs fidèles laïcs, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. De ce fait, vous êtes appelés à imprégner le monde de l'esprit de l'Évangile. Par votre engagement baptismal et en communion avec votre nouveau pasteur, faites de votre vie une agréable offrande à Dieu. Soyez des pierres vivantes de l'Église et famille de Dieu à Chilomba. Cher Monseigneur Sébastien, au nom de la Cinco, je vous réitère nos cordiales félicitations ainsi que notre proximité fraternelle et notre collégialité affective et effective. Soyez rassurés de nos humbles prières que l'Esprit Saint a répandues sur les apôtres et sur les successeurs vous pousse à témoigner toujours et partout de la vérité de l'Évangile. Que par l'intercession maternelle de la Sainte Vierge Marie, Reine des Apôtres, votre ministère pastoral porte de fruits en abondance. Ad multos annos. Chilomba, le 5 juin 2022. Marcel Utembi Tapa, archevêque de Kisangani, président de la Cinco, je vous remercie.
À présent, nous allons suivre le mot du président de la SEPCA. Nous allons suivre le mot du président de la SEPCA. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de religion, distingués invités, toutes catégories confondues, Excellences, Messieurs les abbés, frères et sœurs, au nom de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga, ASEPCA en sigle, j'ai l'immense joie et le privilège de vous adresser à mon tour les plus sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre ordination épiscopale qui fait de vous, à compter de ce jour, le premier évêque de ce diocèse de Chilomba, issu de la scission de l'ancien diocèse de Luisa. Avec la création de ce nouveau diocèse par la volonté explicite du Saint-Père, le pape François, notre province ecclésiastique de Kananga, qui réunit 5 provinces administratives du Grand Kasaï, comptera désormais 9 diocèses. Je remercie très vivement notre Saint-Père le Pape François, qui, par la création de ce nouveau diocèse et la nomination de Mgr Sébastien Kenda comme son pasteur propre, permet à notre province ecclésiastique d'assurer encore plus efficacement la mission d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, Matthieu 20, 16, 17. Et je suis plein d'admiration et de gratitude envers le nonce apostolique dans notre pays, Mgr Ettore Balestrin, pour être venu présider personnellement la grandiose cérémonie liturgique d'ordination à laquelle nous venons d'assister. J'y associe avec reconnaissance leurs excellences les évêques de la SEPCA et d'autres diocèses du pays qui ont tenu à venir apporter au nouvel évêque le gage de leur collégialité affective et effective en accompagnant de leur amitié sincère et de leur fervente prière son élévation à la dignité épiscopale. J'exprime ma sincère gratitude de notre province ecclésiastique au chef de l'État et derrière lui à toutes les autorités du pays et de 2 provinces de la Lomami et du Kasaï oriental, j'y ajoute le Kasaï central, et à leurs différents niveaux pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à cet événement ecclésial dont l'importance pour notre grand Kasaï dans le développement intégral de notre population ne devrait échapper à personne. J'adresse enfin au peuple de Dieu qui est à Chilomba, prêtres, personnes consacrées et fidèles laïcs, un cordial merci avec toutes les félicitations de vos frères et sœurs des autres diocèses de notre province pour l'accueil combien chaleureux et digne, profondément fraternel et chrétien que vous avez réservé dans vos cœurs à votre nouvel évêque, Mgr Sébastien Kenda Ntumba. Cher Sébastien, avec nos félicitations les plus fraternelles pour votre oui sincère et enthousiaste à l'appel du Seigneur Jésus, par l'entremise de son vicaire le pape François à ce siège épiscopal de Chilomba, la SEPCA vous accueille à bras ouverts dans ses rangs, assuré de ce que vous pourrez lui apporter, votre enthousiasme, votre intelligence, votre nouvel élan et dynamisme, et cette joie tranquille et sincère qui caractérise votre attachante personnalité. Non seulement les évêques du Kasaï, mais aussi ceux de tout notre pays qui sont ici représentés, et même ceux d'ailleurs, en Italie par exemple, ont déjà eu l'occasion de vous connaître de près
et d'apprécier la qualité de votre travail et de votre collaboration dans toutes les tâches de l'Église qui vous furent confiées. L'heure a sonné pour vous de prendre la tête du troupeau que Dieu vous confie aujourd'hui et de joindre vos efforts de pasteur à ceux de vos nouveaux confrères dans l'Épiscopat pour le meilleur service possible du peuple de Dieu qui est à Chilomba, qui est au Kasaï et qui est dans le monde entier. Car telle est bien la volonté de Dieu, à la réponse de laquelle vous avez décidé de vouer toute votre existence par votre devise « Fiat voluntas tua », que ta volonté soit faite. C'est avec ce sentiment d'abandon à la volonté de Dieu que vous entreprenez de rédiger la première page de l'histoire de ce nouveau diocèse qui porte le nom d'une mission fondée par les pères de Skeuth en 1898 et dont l'itinéraire spirituel est symbolisé par cette magnifique église dont chacune des briques porte les stigmates d'une histoire missionnaire digne d'éloge et qui sera désormais votre église cathédrale. C'est avec ces sentiments d'émerveillement, accompagnés de notre ardente prière, que je suis heureux de vous dire tout simplement, soyez le bienvenu parmi nous et bon apostolat. Je vous remercie. Excellences, le Président de la République et chef de l'État, ici représenté, Messieurs, Excellences, Messeigneurs les archevêques et évêques, Messieurs les gouverneurs, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, Révérends abbés, révérends pères, révérendes sœurs, révérends frères, messieurs les chefs coutumiers, distingués invités, tout protocole observé, peuple bien-aimé de Dieu qui est à Chilomba. Chilomba Walulombu, Chilomba Wachisumi, Maweja Muteleja, Dilomba Djeban, Djimutokumoye, Betoabwe. C'est avec un cœur plein de gratitude que j'ai béni le Seigneur de toutes mes forces pour les conseils, les suggestions et le concours multiforme reçus durant le long et laborieux processus d'implantation du nouveau diocèse de Chilomba. Les uns ont labouré, d'autres ont planté, arrosé et sarclé. Aujourd'hui, nous sommes tous comblés par ces beaux résultats. Dans les surgissements de cette nouvelle église diocésaine, puissions-nous voir la mise en œuvre de la vitalité missionnaire de l'église, laquelle découle, selon le Concile Vatican II, de l'amour dans sa source, Amor amore Fontalis, qui est Dieu lui-même, Agentes numéro 2. Cette nouvelle née n'a donc d'autre raison d'être en ces lieux que de pourvoir à la totalité de moyens de salut pour tous les hommes et les femmes qui y habitent. J'avais un mot pour Son Excellence, Monseigneur le Nonce Apostolique. Je le lui disais hier soir que le génie de la langue Chilomba veut que nous l'appelions Mwenampalawa Papa. En effet, il est celui en qui
le peuple voit le visage du Saint-Père. J'ose dire que nous sommes tous comblés par sa présence en ce moment inoubliable du début de la vie de l'Église diocésaine de Chilomba. Sa présence, sa présidence de cette célébration a traduit merveilleusement la proximité du successeur de l'apôtre Pierre à cette Église naissante. Qu'il veuille bien accepter d'assurer notre Saint-Père François de nos prières, de notre filiale gratitude et de notre indéfectible attachement au siège de Rome. Je le remercie personnellement pour les encouragements de l'annonciature de tous ses prédécesseurs et de lui-même pour que soient implantés les diocèses de Chilomba. Il s'agit d'une première dans notre depuis 55 ans et en République démocratique du Congo, notre pays, depuis 51 ans. Sur la même lancée, j'adresse mes remerciements à tous mes frères national du Congo Cinco et à ceux de notre Assemblée épiscopale provinciale de Kananga, à SEPCA, pour avoir été de renoncer de leur présence la cérémonie de ce jour, à savoir l'effective constitution du diocèse de Chilomba et l'ordination épiscopale de son premier évêque, son Excellence Monseigneur Sébastien Kendantumba, qui amorce le gouvernement pastoral de cette église particulière. Je m'en voudrais d'oublier tous les membres du clergé de Luisa pour leur collaboration dans la matérialisation d'un rêve devenu en ces jours de Pentecôte une réalité. En même temps que cet engendrement des nouveaux diocèses nous honore, il constitue une lourde charge pour les nouveaux évêques, les nouveaux presbytériums de Chilomba et tous les fidèles appelés à être église en ces lieux et à irradier la vérité de l'Évangile. Excellence Monseigneur Sébastien, vous passez de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Kalomba au diocèse Saint-Jacques-Chilomba. J'ai bien dit de Kalomba à Chilomba. Les deux termes de votre voyage évoquent sciemment le poids de votre nouvelle charge. Vous venez d'inscrire dans vos armoiries comme devise épiscopale, fiat nuntas tua, renouvellement d'une communauté réceptive du dessein des dieux et oblative à celui qui vous entraîne toujours vers le large. Dans ce vous pouvez compter sur la collégialité affective et effective qui nous lie désormais. Je forme les vœux assortis de mon humble prière afin que le diocèse de Chilomba, son pasteur avec de plus en plus pénétré du sens du Christ et de l'Église, sente et vive avec les selon les vœux ardents du Concile Vatican II, Adjentes numéro 19. Révérends abbés, révérendes sœurs, révérends frères de l'Église Famille des Dieux de Chilomba, votre active participation à l'émergence de cette nouvelle Église diocésaine a été remarquable. Pour ce qui le concerne, vous avez pris en charge de sa consolidation par une évangélisation des cultures et les ethnies qui vivent sur ce territoire attendent d'être Église Famille des Dieux grâce à une vie de communion authentique enracinée dans l'amour des dieux un et trine. L'unité et la communion dans les communautés religieuses
doivent briller davantage et convaincre tous, suivant la prière de Jésus, je cite, qu'ils soient un pour que le Jean cette clé ayant motivé et sous-tendu ma requête de diocèse auprès du Saint-Siège a été proximité pastorale. C'est à vous qu'il revient désormais de la décliner à travers votre charité pastorale, Presbyterorum Ordinis numéro 14, au bénéfice de tous dans une démarche synodale, mieux en syntonie avec votre évêque. Je m'en voudrais de ne pas remercier nos autorités pour leur active participation à cette célébration eucharistique et pour tout leur soutien. Le diocèse devient un nouveau partenaire de l'État congolais à travers ses divers services, expression de la compassion du Christ pour le bien-être total de l'autre, comme l'a bien souligné le de vue historique. Chilomba est un des premiers repères de l'évangélisation du Kasaï. Son choix comme siège épiscopal vient raviver notre sens de gratitude envers tous nos dévanciers dans l'annonce de la bonne nouvelle. Ils ont défriché le terrain sur lequel nous poursuivons l'œuvre d'évangélisation. Les bons fruits de leur sueur manifestent à travers la générosité et l'engagement des fidèles dans l'Église ont pesé assurément dans le choix porté sur ce beau cadre de Chilomba. Cependant, il demande à être restauré et développé davantage. En conséquence, comme toute jeune église, ce diocèse est à aider et à affermir pour qu'elle atteigne sa pleine maturité en disposant de moyens matériels et financiers nécessaires, du personnel suffisant, formé et fidèlement engagé dans l'édification d'une église locale comme corps du Christ, canon 786. Merci aux co-organisateurs, merci aux personnes et à toutes les institutions, tant au niveau des chefferies, de la ville de Mueneditu, de nos provinces, ainsi que de toute la nation représentée ici par le chef de l'État et toute instance nationale. Sûr de la vigoureuse intercession de Notre-Dame de Grâce et de notre Mère au cœur immaculé, j'invoque humblement sur vous et sur chacun de nous la bénédiction du Seigneur et la paix. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous venons là de suivre l'adresse de Son Excellence, Monseigneur l'évêque de Luisa, Monseigneur Félicien Mwanama, premier prêtre du diocèse de Luisa à devenir évêque. Son Excellence, Monseigneur Sébastien Kendantumba, deuxième prêtre du diocèse de Luisa à devenir le premier évêque du diocèse de Chilomba. Luisa commence à consommer les fruits de son champ. Made in Luisa. Nous invitons à présent Son Excellence Monseigneur Archevêque Émérite. Nous nous approchons, s'il vous plaît. Monseigneur Godefroy Moukeng Akalonde. J'ai un mot de félicitation pour Chilomba. Félicitations d'abord pour sa vie d'écoute de l'Évangile, pour sa vie d'exode, pour sa vie enfin qui commence aujourd'hui, grande mission.
Chilomba, depuis le fondateur de l'église au Kassai, le père Cambier, a toujours été et longtemps été le rêve marotte. Le rêve marotte du Cambier. Il a toujours rêvé fonder ici en Orient une mission comme Mikalaï. Depuis ce moment-là, jusqu'à la réalisation effective ici, comme mission Tilen Saint-Jacques, 6 ans après Mikalaï, sur la colline de Chilomba, colline qui était boisée et irriguée des ruisseaux, comme vous le voyez, des ruisseaux, et située sur la grande rivière, la Lulu, qui pour le moment est devenue la colonne vertébrale de ce nouveau diocèse de Chilomba, à l'instar du Jourdain dans la Terre Sainte en Israël. Depuis que les premiers missionnaires sont venus sur cette colline, ils se sont succédés. Les missionnaires que vous avez cités, ceux du Cœur Immaculé de Marie, ils se sont succédés tous comme des collaborateurs de Dieu sur la vigne du Seigneur. Les uns ont labouré, les uns ont semé, d'autres ont arrosé, ont sarclé et d'autres ont récolté, récolté ce qui ne leur avait coûté aucune peine, dit Saint Jean. Mais pionnier et successeur, héritier et moissonneur, tous se sont sacrifiés au dur labeur, sachant qu'ils sont tous un et que tous se réjouissent ensemble d'être de simples collaborateurs de Dieu qui lui seul compte. C'est lui qui fait germer, grandir, mûrir et porter des fruits jusqu'à la moisson. Je félicite Chilomba pour sa vie d'écoute. Depuis ce temps-là, il a écouté, on lui a appris à connaître le Christ, à le servir et servir son évangile. Pendant cette vie, il a connu une longue vie d'exode. D'abord, il était enfant de vicariat et puis archidiocèse que nous connaissons, le Kananga. Ensuite, de Kabinda, et puis de Mbujimayi en 66, et enfin de Luisa. En ce moment-là, j'étais évêque de Luisa, et il m'a été donné de venir exécuter le décret qui rattachait Mwenaditu à Luisa. Et enfin aujourd'hui, nous voilà. Nous voilà arrivés. Le chemin était long, mais Dieu fait des choses en raccourci. Nous voyons que c'est long, mais lui voit en raccourci. Et nous voilà arrivés dans une grande cortège, dans un grand cortège des vivants et des morts, tous ceux qui ont travaillé pour arriver à ce jour, nous leur disons merci. Merci à Monseigneur Mwanama qui a abouti, je l'appelle Josué. C'est lui qui a conduit Chilomba
jusqu'à sa demeure. Chilomba, vous êtes arrivé à ce que vous désiriez, à ce que vos dirigeants désiraient, à ce que vos pasteurs ont toujours désiré. Et voilà que le Seigneur l'a accompli. Maja Kudiba, Monseigneur Kelkatwe, Auguste de Klerk, Kudiba Georges Demol, ne Kudiba Georges Ketel, Ba Bernard Mels, ni Ba Kongroangoy, ni Ba Kolwa Ilum, ni Kanyama Mache, ni Chibango Tarsis. Oui, Chilomba. Une foule immense est venue de tous côtés, de tous les horizons. Ils vous entourent de leur joie, de leur, voyez, des cadeaux qu'ils ont préparés pour vous. Dans ce cortège, j'admire toujours le Josué à qui la Providence avait préparé pour vous faire et vous introduire dans ce diocèse. Cher Chilomba, aujourd'hui vous avez engendré deux enfants jumeaux. Le diocèse et son pasteur. Vous êtes devenu Chambouille, merveille de l'amour de Dieu, merveille de celui qu'on appelle Chibabaï. Ou papa, Nemichi Mouitu. Ou Filanzolo, ni Toine Tende. Ou Poku, ni Boyo Boende. Tout le monde est là, il y a un Votre responsabilité est désormais grande. Ces deux enfants doivent grandir, doivent se développer à tous égards. Et c'est cela la volonté de Dieu que vous avez choisi dans votre devise. Vous êtes aujourd'hui élevé et érigé en diocèse, c'est-à-dire vous êtes Église authentique, race élue, peuple qui appartient à Dieu, chargé d'annoncer aux autres les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dieu vous destine des bienfaits et des bénédictions. Il met sur votre tête une couronne d'or. Je vous dirai, cette couronne d'or, c'est la charge de bâtir une église authentique. Chilomba Batama, Chilomba Sangabilo. Bilol bia mulul ni bia muchash bia muyul ni bia asha shalom shikong bat baneni ni bake baleni balab ni ba musha wawa à présent Chilomba, écoute mon dernier mot. Aujourd'hui le Seigneur vous charge d'une haute mission, à savoir bâtir une église authentique, œuvre de la foi, œuvre de foi. Une église unie et forte, de la force, de la puissance du Christ ressuscité. Une église vivante, prise en charge par tous ses membres. Une église missionnaire, dont la charité rayonne et embrasse les périphéries, les peuples et le monde entier. Une église mariale
toujours à l'écoute fidèle et au service dévoué du Seigneur et de sa parole. Une Église enfin, unie, dont tous les membres sont un, formant une famille de Dieu, des enfants de Dieu, une fraternité universelle dans le Christ. Il s'agit en un mot de porter partout à tous le feu de la Pentecôte qui brûle aujourd'hui. Que ce diocèse soit vraiment un buisson ardent, toujours ardent, dont la flamme demeure brûlante à jamais. Et à vous, cher Monseigneur Kenda, que j'ai eu la joie d'ordonner ensemble le même jour que Monseigneur Mwanama. Vous comprenez ma grande joie d'aujourd'hui. Deux de mes fils en la foi sont évêques, sans compter des autres, vous en êtes maintenant le cinquième. Cher Monseigneur Kenda, vous n'êtes pas seulement premier pasteur de ce diocèse, vous êtes son fondateur. C'est vous qui marquerez désormais la vie de cette Église. Ayez les yeux toujours fixés sur le Christ, lui le fondateur de son Église sur la terre. Cette Église qu'il s'est acquise au prix de son sang et selon la volonté du Père. Cette Église qui est le chef-d'œuvre et le trésor de son cœur. Vous pouvez compter toujours sur nos prières et notre proximité fraternelle agissante. Admultos anos. Aban ba mama e. Wata e kasuma. Muto azova. Muto azova. Baba kutumi no kajanga no ki wanyo bitume no kachata. Kayan tayen kene. Ata tu we jangoy tangangoy ngoyangoy. Wabinge. Wabinge chikwaba. Kasakanaya. Bakulu balebelne umuhit chilund bahit bowa awahit mugulu bahit mej. Nous venons là de suivre l'adresse de l'archevêque émérite en la personne de Godefroy Mukenga Kalonde. À présent, veuillons suivre le mot du représentant des prêtres diocèse de Chilomba, le tout nouveau diocèse. Il n'est rien d'autre que le révérend abbé docteur Jean Bosco Mutombo Kassol, qui est le président de l'équipe d'organisation du sacre de Chilomba. Il est le président du groupe d'organisation. C'est avec lui, grâce à lui, et c'est la locomotive qui tracte les wagons sur les rails, entendant toutes les commissions qui font que la journée d'aujourd'hui soit prise en charge de manière réelle et réaliste. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici représenté, Excellences, mes seigneurs, les archevêques et évêques, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les gouverneurs, révérends abbés, révérendes sœurs, révérends pères,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, à vos titres et grades respectés, gloire à celui qui fait tout au-delà de toute imagination. En ce jour béni des dieux, jour de l'expansion missionnaire universelle de l'Église, jour de la Pentecôte, le presbytérium de Chilomba célèbre dans l'émerveillement, la foi et l'espérance, une triple joie. Comme une trilogie votive, nous célébrons la joie de la création du diocèse de Chilomba par le Saint-Père Pape François, ainsi que celle de l'ordination épiscopale de Son Excellence Monseigneur Sébastien Kendantumba, couplée à celle de sa prise de possession canonique de cette nouvelle église locale. En effet, l'Église catholique une et unique existe dans et par les églises particulières, et l'évêque en est, avec la coopération du presbytérium, le pasteur, de sorte que, dans l'adhésion et rassemblé par lui, dans l'Esprit Saint, par le moyen de l'Évangile et de l'Eucharistie, elle constitue une église particulière dans laquelle se trouve, vraiment présente et agissante, l'Église du Christ, une sainte catholique et apostolique canon 368 et 369. Comment ne pourrions-nous pas nous en émerveiller à ce seuil du 125e anniversaire de la fondation de la mission Saint-Jacques de Chilomba, d'autant plus que le chemin parcouru par Chilomba lui a pris plus de temps, plus de patience, plus d'abnégation, mais aussi plus de foi, plus de charité et d'espérance, comme un véritable exode mené par le maître des temps et des événements. Chilomba a appartenu successivement, et on ne le dira pas assez, et au gré des circonstances, à la préfecture apostolique, ensuite au diocèse de Cabinda jusqu'en 1966, année où il sera rattaché au diocèse de Mbujimayi, dont il sera séparé en 1972, afin d'appartenir 50 ans durant au diocèse de Luisa. Le 25 mars 2002 a été un jour d'émerveillement pour le peuple des dieux du diocèse de Chilomba. Avec le psalmiste, nous avons chanté. Nous chantons et nous chanterons, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour d'allégresse et de joie. Ce 5 juin 2022, nous rendons gloire à Dieu comme véritable architecte du merveilleux ouvrage qu'est le diocèse de Chilomba et comme auteur de l'appel de Son Excellence Monseigneur Sébastien Kendantumba à l'Épiscopat, Excellence Monseigneur l'Évêque, nous vous présentons notre vie. Nous vous présentons, disais-je, en tant que premier évêque. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur notre diocèse de Chilomba et sur notre évêque, nous exprimons également ce moment notre filiale gratitude à sa sainteté le pape François qui a daigné créer le diocèse de Chilomba et lui a
donné en même temps un premier pasteur propre en la personne de son Excellence Monseigneur Sébastien Kendantumba. Aussi, osons-nous prier à son Excellence Monseigneur le nonce apostolique à notre pays, la RD Congo, de bien vouloir être le fidèle interprète de l'expression de notre gratitude et de notre particulière déférence envers le pontife romain. La célébration liturgique solennelle d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Sébastien et de prise de possession canonique du siège du diocèse de Chilomba se réalise dans un contexte de crise multiforme, aussi bien au niveau international qu'au niveau local. Les effets des conflits armés et ceux de la pandémie de COVID-19 auraient dramatiquement affecté nos festivités sans le concours de certaines institutions, personnes morales et ou physiques, des ressortissants de Chilomba et de toutes les forces vives, ainsi que des hommes et des femmes de bonne volonté. À vous tous, nous exprimons notre reconnaissance. À plusieurs titres, nous remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a été dignement représenté ici par son conseiller spécial au Collège de la Culture, Arts et Questions Religieuses, M. l'abbé Théo Chilumba. Nous remercions de tout cœur son Excellence, le Premier ministre, chef de l'État. La taille et l'impact de son implication dans ces présentes festivités sont on ne peut plus indescriptibles. Honorables députés et sénateurs, nous ont marqués et édifiés durablement, non seulement par leur présence remarquable en cette solennité de ce jour, mais aussi par la qualité de leur plaidoyer au sein de leurs prestigieuses institutions. Il en a résulté une incidence positive pour le début de notre jeune diocèse de Chilomba. À cet égard, les points focaux de notre comité organisateur ont joué un rôle foudroyant. Nous leur exprimons toute notre reconnaissance. Les archevêques et évêques de la Conférence épiscopale nationale ainsi que de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga ont lourdement travaillé pour un heureux aboutissement du dossier de la création du diocèse pour lequel nous sommes joyeux aujourd'hui. Excellence, l'histoire de l'Église n'occultera nullement le grand rôle que vous avez eu à jouer. Sentez-vous honoré et remercié. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Le diocèse de Luisa, dont le démembrement couronne l'œuvre d'évangélisation amorcée par les missionnaires de Scout, que nous remercions pour leur œuvre missionnaire, peut à juste titre saluer la création du diocèse de Chilomba et le sacre de son Excellence Monseigneur Sébastien comme une véritable maternité apostolique. Au terminus ACO, il y a la Sainte Trinité, l'Évangile, la foi, la croissance multiforme et la prière du peuple de Dieu. À tout Seigneur, tout honneur, nous soulignons l'impact du travail pastoral accompli par les pasteurs successifs qui ont œuvré dans cette vigne du Seigneur, singulièrement la vision ecclésiale de notre responsabilité pour la vitalité des églises particulières, avec le maître mot Ecclesiam Bujitu Buetu et la devise Ut Crescant,
prôné par l'actuel archevêque émérite de Kananga, Monseigneur Godefroy Mukenga Kalonde, ont durablement frayé le chemin d'une base structurale, ecclésiale et catéchistique pour la maturation de l'église locale de Chilomba. Le respect de la mèche fumante a été une vision prophétique qui a consolidé au cours de l'épiscopat de son Excellence Monseigneur Léonard Kassanda Lumembu la marche déjà amorcée. Les réglages ultimes qui ont abouti aux festivités présentes ont été systématiquement amorcés avec l'épiscopat de Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa. Requêtes, cartographies, consultations ont vu jour. À la suite de bien d'autres avant eux, les fidèles de Mweneditu et de Lulu ont fait également entendre leurs prières et leurs supplications au Saint-Père en s'adressant au cardinal Pietro, préfet pour l'évangélisation des peuples. Aujourd'hui, l'église de Chilomba est créée. C'est une réalité qui s'impose et parle elle-même de Dieu. Gloire à celui qui fait tout au-delà de toute imagination. Le devoir laborieux, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes pour la croissance du diocèse de Chilomba, le développement intégral du peuple auquel Chilomba s'adresse et la gloire de Dieu. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État représenté. Excellence, Messeigneurs, les archevêques et évêques, chers frères et sœurs, à vos titres et grades respectés, je vous remercie pour votre mobilisation, pour avoir entendu l'appel qui vous a été lancé alors que nous ne disposions pas de temps pour préparer correctement cet événement que nous avons liturgiquement célébré aujourd'hui. Mais nous nous rendons compte que Dieu a réalisé bien au-delà de ce que nous pensions, ce que nous avions demandé et ce que nous avions pensé. À lui la gloire, j'ai dit et je vous remercie. Nous venons là de suivre l'adresse de l'abbé docteur Jean Bosco Mutombo, président du comité organisateur de sacre de Chilomba. Monsieur l'abbé président, merci. Bupoa bupoa mukana mwamwenabu. Voilà l'heure où nous allons suivre l'adresse de son Excellence Monseigneur Sébastien Kenda Ntumba, le tout premier et nouvel évêque de notre diocèse de Chilomba, à la fois nouveau-né et cadet. Monseigneur, tous nos regards sont tournés vers vous et notre joie et nos cœurs sont pleins de joie pour entendre la parole de notre nouvel évêque. Merci. Avant toute parole, je voudrais inviter l'Assemblée à se mettre debout pour une minute de silence pour toutes les personnes qui auraient bien voulu être avec nous en ce jour, mais que Dieu, dans sa bonté et dans son programme, a rappelé auprès de lui, en pensant de façon particulière à la sœur Marceline et à la sœur Leng Alphonsine, qui nous ont quittés récemment, et à tous les autres défunts qui ont quitté cette terre de diocèse de Chilomba pendant ces derniers moments.
Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État représenté, Excellences, Révérendissime Monseigneur le Nonce Apostolique, Excellences, Monseigneur le Président de la Cinco représenté, Excellences, Messeigneurs les Archevêques et Évêques, Excellences, Messieurs les gouverneurs, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités à vos qualités et titres respectifs, révérends pères, révérends abbés, révérendes sœurs, révérends frères, peuple bien-aimé de Dieu, qu'il est beau le mystère de l'Église rassemblée en ces jours de Pentecôte pour louer le Seigneur, accueillir sa parole et entrer dans sa communion à travers l'Eucharistie. Qu'il est admirable le mystère de notre foi au Fils unique de Dieu, le bon pasteur venu libérer l'humanité du péché et de la mort par la puissance de l'Esprit Saint. Qu'il est grand le mystère de notre vocation à annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Première épître de Pierre, chapitre 2, au verset 9e. En ces jours de joie et de fortes émotions, jour mémorable qui ouvre les annales du diocèse de Chilomba et qui, dans ses annales, restera gravé en lettres d'or, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à Dieu et à vous tous pour votre fraternelle présence priante en ce lieu. Comment rendrai-je au Seigneur tous ses bienfaits pour moi? Psaume 115, 12e verset. Je rends toute grâce au Maître de l'histoire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis et comblés de toutes sortes de bénédictions. Ephésiens 1, au 3e verset. C'est lui par qui et pour qui tout a été créé, qui a porté dans son cœur très aimant de Père le projet de l'Église particulière de Chilomba, le réalisant assurément grâce aux médiations humaines de son choix. Je pense ici avec reconnaissance à son Excellence Monseigneur Ketel Georges et ses confrères missionnaires de la Congrégation de l'Immaculé Cœur de Marie qui ont jeté la semence de l'Évangile en cette terre fertile de Chilomba. Je pense à son Excellence, Monseigneur Godefroy Mukenga Kalonda, qui, suivant sa devise épiscopale, a travaillé à la croissance de l'Église de Luisa qui donne ce beau fruit en ces jours. À son Excellence, Monseigneur Léonard Cassandre Lumembo, qui, mettant la parole de Dieu comme lumière de son ministère, a affermi la marche de l'Église de Luisa dans sa tension vers ces merveilleux jours. Et à son Excellence, Monseigneur Félicien Mwanama Galumbulula, qui, selon la vérité de l'Évangile, s'est investi pour qu'enfin Chilomba soit érigé en église particulière. L'œuvre de longue haleine, selon son dessein insondable de Dieu, entreprise par ses vaillants pionniers, a été sanctionnée
par sa sainteté, le pape François, par sa constitution apostolique, cum qui abstulit, il a érigé, depuis le 25 mars 2022, le diocèse de Chilomba, qui, en cette solennité de Pentecôte, commence sa marche comme église diocésaine. Oui, il a plu au Seigneur, selon son dessein insondable, lui dont les voies ne sont pas les nôtres, de jeter son regard miséricordieux et bienveillant sur ma modeste personne pour me choisir comme premier évêque de ce diocèse. Il m'a tiré du troupeau paroissial de Kalomba pour me confier son peuple de Chilomba. Il s'agit d'un itinéraire géographique, certes, mais aussi ecclésial et pastoral, dont vous mesurez avec moi le poids de sa charge. À cet appel du Seigneur, et dans la ligne de ma devise sacerdotale, « Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté », j'ai répondu à cet appel « Fiat voluntas tua ». Je suis devenu évêque en ces jours, mieux et littéralement épiscopos, c'est-à-dire, d'après les dictionnaires, celui qui regarde vers et qui veille sur. Dans ce titre se trouve inscrite ma devise, l'objectif de ma vie et de ma charge, qui est de cheminer vers Dieu avec vous tous. Mon fiat, je le fonde d'abord sur la bienveillance et la providence divine, sur l'accompagnement de ce Père de bonté qui continuellement me répète, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué, premier chapitre, au verset 5e. Mon fiat, je le fonde ensuite sur la collaboration de prêtres, des religieuses et religieuses, ainsi que des fidèles engagés en ministère pastoral dans cette église de Chilomba. C'est pour vous que je suis évêque et que j'ai pris solennellement l'engagement d'être un veilleur et un éveilleur. Pour cette bien-aimée église de Chilomba, avant tout programme, j'ai des intentions de prière et des engagements sérieux. Je prie et m'engage pour que la famille de Dieu qui est à Chilomba ne soit pas un regroupement de quelques personnes qui se rassemblent spontanément pour une cause commune, d'après le cérémonial des évêques au numéro 2, mais bien plutôt une portion du peuple de Dieu rassemblée dans l'Esprit Saint grâce à l'Évangile et à l'Eucharistie et en laquelle est vraiment présente et opérationnelle l'Église du Christ qui est une sainte catholique et apostolique. Je prie et m'engage pour que nos diversités soit un motif d'enrichissement mutuel grâce à une recherche sincère et une fidélité renouvelée à la volonté de Dieu. Je prie et m'engage pour que dans l'église particulière de Chilomba, la collaboration et la co-responsabilité soient de mise dans notre recherche de la volonté de Dieu et dans notre action pastorale. Faisant mieux le vœu et les paroles de Saint Paul et Pierre, je prie et m'engage pour que évêques, prêtres et tous les agents pastoraux, religieux et religieuses, se conduisent d'une manière digne de leur vocation. Qu'ils passent
qu'ils aient beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. En nous référant à la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, du 1er au 2e verset, je prie et m'engage pour qu'ils paissent le troupeau de Dieu qui est sous leur garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui leur sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Nous référons à la première lettre de Saint Pierre, chapitre 5e, du 2e au 3e verset. Je prie et m'engage pour que l'église locale de Chilomba entre immédiatement dans la marche synodale, en mettant en synergie dans tous les domaines de la vie pastorale et avant cela, en impliquant tous les fidèles et les disciples du Seigneur, comme nous le rappelle le pape François dans son message pour la 59e journée mondiale de prière pour les vocations. Mon souhait, c'est que découvrant chacun les dons reçus et prenant conscience de toutes nos ressources locales, tous les fils et filles de Chilomba se mettent au service de l'édification de leur famille commune. Le pape nous exhorte dans Evangelii Gaudium au numéro 120, chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Je prie enfin et m'engage pour une Église de Chilomba missionnaire ad intra et ad extra, une Église aux portes ouvertes, une Église en sortie vers toutes les périphéries existentielles, selon ce que nous dit notre cher pape François dans Evangelii Gaudium. Une Église engagée dans la recherche des brebis perdues, aujourd'hui plus nombreuses que celles restées au bercail, et donc une Église en quête de nouveaux aréopages qui ont besoin de la première annonce de la bonne nouvelle. Au nom de cette Église et à mon nom propre, je remercie en tout premier lieu notre Saint-Père, le pape François, qui, au regard des nécessités pastorales de la famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo, a pour son plus grand bien érigé ce nouveau diocèse de Chilomba, le 48e dans notre pays et le 9e dans notre province ecclésiastique, et a daigné m'appeler comme son premier évêque. J'exprime ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État représenté. Il s'est représenté pour tout son appui, toute sa sollicitude et tous ses gestes. Sur la même lancée, je suis reconnaissant envers toutes nos autorités ici présentes pour leur considération et leur soutien logistique, matériel et financier qui a permis l'organisation de cet événement d'Église. Je ressens un devoir impérieux de gratitude à l'endroit de Son Excellence Monseigneur le nonce apostolique Ettore Balestrero, qui, malgré l'imminente visite pastorale du pape dans notre pays et ce qu'elle représente pour son légat, a fait le déplacement de Kinshasa pour présider cette solennelle célébration et me conférer l'ordination épiscopale. Merci, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, de cet exemple de disponibilité et d'attention aux besoins de l'Église. Avec lui, je remercie les deux évêques consacrants, Son Excellence Monseigneur Marcel Madjila, archevêque métropolitain de Kananga, et Son Excellence Monseigneur Félicien Mwanama,
évêque de Luisa. Cher Monseigneur Félicien, merci de tout cœur pour votre accompagnement durant ma retraite spirituelle et de votre partage sur le poids de cette nouvelle charge qui pèse sur mes épaules. J'ai un devoir de reconnaissance envers toutes leurs excellences, mes seigneurs, archevêques et évêques, venus pour m'imposer les mains, gestes éloquents qui m'introduisent dans la collégialité épiscopale. Je m'unis à vous, dans les limites qui sont les miennes, pour apporter ma contribution à l'édification de l'Église, famille de Dieu, dans notre province ecclésiastique, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je salue avec joie l'imposante assemblée de prêtres et diacres ici présents et qui ont concélébré cette Eucharistie. À vous tous, chers membres du clergé de Chilomba, vous m'avez assuré publiquement de votre collaboration par votre geste d'obédience. Le soutien de chacun de vous est précieux dans l'édification de l'Église famille de Dieu en ce lieu et en ce nouveau diocèse. Je salue avec gratitude tous les consacrés, religieux et religieuses, dont l'engagement total est si beau et si fécond. Par votre vie et fidélité à vos engagements, réveillez en nous la nostalgie du royaume des cieux dont vous êtes le signe ici sur terre. Je suis reconnaissant à l'égard de tous les agents pastoraux laïcs d'hier et d'aujourd'hui, envers lesquels je cultive une estime considérable. Mon expérience comme chargé diocésain de la pastorale m'a permis de comprendre votre importance dans l'affermissement de nos communautés dans la foi. Méditant sur la transmission de la foi, Saint Paul écrit aux Romains, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Romains 10, verset 14. « C'est dans ma famille que j'ai entendu parler de Dieu. C'est dans ma famille que j'ai reçu la foi et que j'ai grandi dans la foi. Celle qui était de mes grands-parents, en effet, la sœur de mon grand-père, la sœur Luca di Leoni, fut l'une des pionnières au Carmel de Kabwe. La foi qui était de mes grands-parents et qui m'a été transmise par mes parents, tout en les remerciant, et de façon particulière, mon oncle paternel, l'honorable Joseph Kapika, de tout ce qu'ils ont fait pour moi et de tout ce qu'ils m'ont donné, je confie mes parents, mes frères et mes sœurs, ainsi que toutes les familles de mon diocèse de Chilomba à la bénédiction de Dieu. Merci à vous tous, mes chers amis et collaborateurs venus de tous les coins du Congo et du monde. Je sais ce que ce voyage vous a coûté pour être présent ici et en ces jours. Que le bon Dieu récompense vos sacrifices et vous rende au centuple. Je ne saurais terminer ces mots sans dire merci au comité organisateur, aux chorales qui ont soutenu notre prière, à toutes nos paroisses du diocèse de Luisa dans son ancienne considération, et à vous tous, frères et sœurs, qui avez préparé la belle célébration de ce grand événement en un temps record. Votre amour et votre sens d'appartenance à l'Église ont prévalu sur tous les obstacles. Envers vous, je garde une dette qui est celle de vous porter dans mes prières afin qu'il plaise au Seigneur de vous gratifier selon sa mesure surabondante. Que cette cérémonie affermisse nos séminaristes
et nos novices dans leur volonté de se consacrer au Seigneur et qu'elle suscite de nouvelles vocations à la vie sacerdotale, religieuse et matrimoniale. Chers frères et sœurs d'autres confessions religieuses, je vous suis reconnaissant d'avoir accueilli la bonne nouvelle de l'érection de Chilomba, non comme quelque chose qui regarde les catholiques, mais comme une aubaine pour renforcer notre communion et notre foi en un seul Dieu. Au-delà des remerciements, soyons unis toutes et tous, le plus souvent possible dans la prière. C'est notre force et notre unique source d'espérance. Que la Vierge Marie, invoquée avec ferveur comme notre Dame de grâce, Mère au cœur immaculé, Mère de la sagesse et de la providence, qu'elle intercède pour notre jeune Église et nous obtienne de son Fils tout ce dont nous avons besoin pour sa pleine croissance. Merci à toutes et à tous. Fait à Chilomba le 5 juin 2022. Je vous remercie. Bananga mu Kristo anyishaye kola ibonso batatu ni bamamu nwafayiko ni chikwabo atatu kuna yama kweza anyikumwana tuje nejisanga jabungu jakunwele kalumbanje bwajijisanga jetunene mu mwabewu Wakulu bantu bakamba ne mwabu mufunku na munu kamana utuwa yanzubu. Nilelwe mwabe waku yanzubu wantenje wa Chilomba. Mumbana kufunku na munu kale. Katu yitubu elele menje. Kajimvijimuku mwane kujajika buwane mwabawu uvune chakwiba kibu anzubu munene. Ujimu waku sanga bana bende bonso. Tuwapechi chitu wakaji bajingu. Toapeche chivu majinga munda mwetu mwamoyi. Atufu tukwa achilambi jimuku lubutu kune munya. Tue tutumuleje mutuvu basu wane bikumban. Wabi kumbaje mchendo chukondo ni mujituku. Jikavo imufundu mukende kalandriye. Kajikaka iningondu jiku mine ibiji. Lelu njitu kujaji sangi buwetu tue tubonsu. Njinuwele tuasa kijila wa manza tentu buwaji tuwa kijila munkashi mwenu. Bianga chiluku jitu kujakumpala. Jicho akujata bulobabu wa josezi jetu. Nuele tuasa kijile buwa bionsu minu wa kwenzi. Mumishindu mishilangane. Buwa tuetu kupeta jisanka jajitu kweji. Mtungunu kone jilomba buwane. Chijimvijimugulu mutuenze lechi. Chichi tulomba buwane tujisuike tuetu bonsu. Tujenze chintu chimwe. Buwa nankwawu josezi jetu kumpala jasanga nukuyanye. Tuasa kijilai. Vijimukulu wangu liyonsu ni wakashije anubeneshe. Tatu, mwana, ne spiritu monsanto. Misa wajiki ndai bonso basangale.